Le plus je suis en contact avec des professionnels, le plus je vois comment est-ce que les inhalothérapeutes travaillent sur le chantier, on va dire, le plus je suis convaincu que c'est un bon choix et que ça me donne aussi beaucoup de flexibilité pour le futur. C'est tellement de domaines, c'est tellement vaste, que ce soit, mettons par exemple, si je veux quelque chose avec beaucoup plus d'action, je pourrais aller en urgence ou en soins intensifs, tout ce qui est soins critiques. Si je veux quelque chose qui soit plus, mettons par exemple, un 9-to-5, ça serait un travail en fonction pulmonaire ou de travailler avec des cliniques à 6 pas pour l'apnée du sommeil, mettons par exemple. Donc moi j'aime cette flexibilité et j'aime toujours me garder le choix devant moi, dépendamment de ce que je me sens vouloir faire. Et même après, mettons par exemple, même si je trouve que moi je suis une personne qui aime les soins critiques, rien ne me garantit que dans quelques années, je ne serai pas... Vous savez quoi? Moi, j'aimerais aller faire de la réadaptation pulmonaire, travailler avec du monde, ou est-ce que c'est des projets à long terme? Donc moi, j'aime me garder cette flexibilité de pouvoir, en ayant la même formation, avoir l'option de travailler dans beaucoup, beaucoup de domaines.